Merci pour la confiance que vous ne cessez d'accorder à votre émission. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Je reçois pour vous, pour la toute première fois, un invité que, pas le moindre, dont vous connaissez déjà. Nous allons essayer de parler vraiment de la parole de Dieu, et rien que la parole de Dieu. J'ai l'habitude de le dire, tout au long de cette émission, nous parlons de la parole de Dieu. Et nous nous basons que sur la Bible, rien que sur la Bible. Il nous fait honneur de répondre à nos questions. Aujourd'hui, lui c'est l'évangéliste Roger Baka, à qui je dis bonjour et bienvenue, homme de Dieu. Bonjour mon très cher frère, très grand de ma joie. Et merci aux téléspectateurs, merci aux géniteurs de Congo-Bèze. Merci encore une fois de plus aux chrétiens qui vont devoir passer leur temps en compagnie de cette très belle émission intitulée « À la lumière de la parole ». Très bien. Après plusieurs reports, aujourd'hui, vous êtes quand même là. Et... ouais, pour un début qui ne s'arrêtera peut-être plus. Très bien. Évangéliste Roger Baka. Bien aimé. Roger Baka, prophète, évangéliste ou politique? Non, ma mission est inscrite dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 16. À la lumière de la parole, je pose les fondements. Vois, bien dit, tiens, lève-toi sur tes pieds et tiens-toi, car je te suis apparu pour t'établir ministre. Donc, au-delà des appellations, moi je dis déjà, je suis un ministre de Dieu. Et quand Dieu t'appelle ministre, c'est parce que tu as un ministère. Alors, l'on définit le ministère comme la poursuite d'une vision. Maintenant, c'est dans la poursuite de la vision que j'ai ma commission. Vois, je te fais sortir du milieu des peuples païens vers qui je te renvoie afin que tu leur ouvres les yeux, que tu leur fasses sortir des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et la bénédiction que moi, l'Éternel, j'ai promis à tous les sanctifiés. Pris sous cet angle, je suis un évangéliste. Donc là, vous êtes un évangéliste. Ouais. Alors, par rapport à l'école de la foi, UFC, Université de la foi chrétienne, est-ce que ce n'est pas une façon de vouloir commencer une œuvre? Vous n'êtes pas en quête d'ouvrir une église? Non, ce qui est vrai, Christ ne nous a pas demandé de multiplier des églises dénominationnelles, des assemblées locales. Ce n'est pas ça l'objectif de Matthieu 28 et 18. Et tous ceux qui sont en train d'en crier, ils enfreignent la parole de Dieu. Je peux te rassurer avec certitude spirituelle que Matthieu 28 et 18 est dit à la lumière de la parole. Allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Le baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas dit bâtissez les assemblées locales. Non. Les assemblées locales ont été initiées pour éviter des raisons ou des causes ici après. Premièrement, c'est pour permettre aux gens qui confessent la même foi de se retrouver. C'est la raison pour laquelle on a bâti des assemblées locales. Il n'y a rien de divinité en soi. C'est un cadre. C'est un cadre. Hein, spécifique pour abriter tous ceux qui confessent la même foi, qu'ils aient ne fût-ce que des moments de communion fraternelle. Okay. Ça, c'est de un. De deux, c'est pour éviter les intempéries. Parce que vous pouvez être en train de communier, la nature vous déçoit. Voilà pourquoi on les abrite sous un cadre qu'on appelle assemblée locale. Christ a demandé que nous puissions bâtir des hommes. Ce sont des hommes que Christ a demandé qu'on puisse construire comme ses disciples. Voilà pourquoi Éphésiens dira, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Autrement dit, le granit, le pierre, la fondation, elle est bien connue, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais ceux qui sont construits au-delà de Jésus doivent recevoir en eux les enseignements des apôtres et des prophètes. Donc, bref, je ne suis pas contre pour ceux qui bâtissent. Mais l'université de la foi chrétienne est une université qui a pour objectif l'explication des fondements de la foi chrétienne. Nous répondons à la question importante de savoir pourquoi je suis chrétien. À cette question, quand tu demandes à tout le monde, chacun te dit ce qu'il veut. Mais nous sommes chrétiens pourquoi? Parce que en tant qu'esprit, nous sommes détenteurs d'un programme divin. Nous sommes détenteurs chacun de nous d'un programme divin ou d'une raison d'être que nous devons atteindre sur la terre. Et il n'y en a que trois.
Et quels sont les Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12, c'est ce qu'on appelle le ministère majoritairement connu. Il y a des gens qui sont entrés sur la terre pour ne exécuter que la mission du ministère de la parole. Il a fait aux uns comme apôtres, il a fait aux autres comme prophètes, il a fait aux autres comme évangélistes, docteurs, pasteurs, pour le perfectionnement de saints. Nous ne sommes pas ministres de la parole pour autre chose. Nous sommes ministres de la parole pour le mot catartismos, un mot latin, qui veut dire être en mesure de détecter les talents qui sont auprès des personnes que Christ envoie, les enseigner, amener cette capacité à maturation pour le mettre soit au service de l'Église, soit au service de la nation. Ça, c'est le ministère de la parole. Deuxième, c'est le ministère de la puissance. Autrement dit, il y a des gens qui sont capacités à parler. Mais il y en a d'autres qui ne savent pas parler, mais qui ont en eux la puissance pour confirmer les Écritures. C'est du genre Moïse. Il ne sait pas parler, il dit à Dieu, Seigneur, moi je ne sais pas, Exode 3, Exode 4. Mais Dieu lui dit, je t'ai choisi quelqu'un qui a le ministère de la parole, c'est ton frère Aaron. Mais toi, je te donne le ministère de la puissance. Mais la puissance de Moïse est incarnée dans un bâton. Donc, il y a des gens en accord avec 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 28 au verset 29, ils posent la question. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils docteurs? Non. Mais il a donné aux uns la capacité, les dons de secourir, les dons de miracles, les dons d'interprétation des langues. Il a fait, voilà, ça ce sont des gens qui démontrent la puissance de Dieu et la puissance de Dieu arrête les contestations. Et à la fin, la troisième raison d'être que nous devons être en mesure d'enseigner, ça s'appelle talent mécanique. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui n'ont pas l'art de parler, qui n'ont pas la puissance de démontrer la gloire de Dieu au travers de ce qu'ils font, mais ils ont reçu de la part de l'Éternel un talent en accord avec Exode 35, le verset 30. Dieu dit ceci à Moïse, « Tu me construiras le tabernacle. » Mais pour me construire le tabernacle, j'ai quelqu'un en qui je plaçais l'esprit de sagesse et d'intelligence afin d'exécuter toutes sortes d'œuvres. Il s'appelle l'enfant Bethléhem. Donc ça veut dire, tel que toi, aujourd'hui, sur ce plateau, quand tu commences à me poser la question, je te dis tu n'es pas ministre de la parole. Je te dis tu n'as pas le ministère de la puissance. Mais en t'écoutant, je te dis tu as un talent mécanique qui doit être sanctifié par Dieu avant de faire son service dans le tabernacle. Donc la capacité de poser des questions, la capacité de réfléchir, de tourner les choses, ça c'est un talent mécanique. Il y a des bijoutiers. Un bijoutier qui travaille l'or, c'est quelqu'un qui a reçu un don du Saint-Esprit. Ça ne vient d'avoir par les diables. Très bien. Très bien. Alors, pour, par rapport à l'université de la foi chrétienne, est-ce qu'il y a aussi des dîmes que les gens donnent? Non. D'abord, l'université de la foi chrétienne est à sa cinquième promotion. Je vais dire cinquième année. Ok. C'est comme une école. Bon, voilà. Voilà comme les apôtres du Seigneur ont fait 3 ans d'année académique. C'est d'ailleurs de cela que vous avez l'imitation de l'université des graduats. Les apôtres ont fait 3 ans. Pendant les 3 ans, ils écoutaient les enseignements, ils les écrivaient. Ce n'est pas comme aujourd'hui à l'église, le cahier d'un chrétien est composé de 4 phrases. Lesquelles? Officiant. Référence biblique. Interprète. Comment tu ris comme ça, mon frère? Référence biblique, point, il a souligné. Voilà un disciple du Seigneur. Un cahier qui se découpe en 4 phrases. Ah non, ils doivent avoir les stylos et les bics écrire jusqu'à la fin. Et là, nous enseignons sur le fondement, le fait justificatif de notre croyance. Pourquoi tu n'es pas catholique? Tu dois être en mesure de répondre. Pourquoi tu n'es pas musulman? Chaque religion, chaque groupe religieux se définit par un fondement. Voilà pourquoi nous donnons le cours sur 4 cours principaux. Le premier, c'est la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Le deuxième, d'ailleurs aujourd'hui, je viens de donner cours, le chapitre que nous avons abordé, les origines de l'être humain. Autrement dit, quelle est la technique que Dieu a créée pour, a utilisée pour créer l'être humain? C'est là où je leur ai annoncé Genèse 3, 19. Dieu prit l'homme de la poussière de la terre. Deuxièmement, je leur ai donné Genèse 2, 7. Il souffla sur ses narines. Et troisièmement, je leur ai donné 1 Thessaloniciens 5, 23 pour dire que l'être humain est composé de 3 hommes. Donc, nous sommes en train d'apprendre aux gens les ABC du christianisme. Très bien. Déjà, pour ne pas te couper, il n'y a pas de dîme. Il n'y a pas de dîme. Il n'y a pas de frais d'inscription. Ok. Tu viens avec ton cahier, ton stylo,
et ta Bible. Faut pas t'absenter 5 fois, on te chasse. Parce que je trouve mal. Quelqu'un qui veut connaître un trésor se permet de s'absenter pour rater certaines choses. Mais il y a la libéralité. Celui qui veut nous aider, il nous aide à la mesure de ses possibilités. Très bien. Ouvrons alors cet entretien d'aujourd'hui, homme de Dieu, ouais, par cette question. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de l'Église du Christ au Congo? Non, la vérité sur l'Église du Christ est dans les livres de 1 Timothée. Ah, je ne sais pas si tu as ta Bible, hein, parce que ça serait vraiment important que nous puissions lire certaines références, et même à travers ton portable, parce qu'aujourd'hui la Bible, elle est partout dans tous les portables. Alors si nous allons dans les livres de 1 Timothée, au chapitre 3, le verset 1, déjà là, on nous dit ceci, je lis au nom de Jésus. 1 Timothée. Chapitre 3. 1 Timothée, chapitre 3. Non, 2 Timothée, chapitre 3, voulais-je dire. Excusez-moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. 2 Timothée, chapitre 3. Voilà. Verset 6. 1, 2, 3, c'est fini. Okay. Et je donnerai la conclusion par 2 Timothée 4. Très bien. Sache bien, dans la période finale, de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards, prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus du respect pour ce qui est sacré. Sans cœur, sans pitié, calomniateur, incapable de se maîtriser, cruel, ennemi des gens de bien, emporté par les passions, enflé d'orgueil, etc. Voilà la caricature de l'Église vers le temps de la fin. Mais si tu vas dans 2 Timothée chapitre 4, c'est ce qui concerne le ministre de la parole. Je parle de maintenant de ceux qui se tiennent devant la chair. Voici la présentation géographique, psychologique et morale de ces gens. 2 Timothée, en chapitre 4, le verset 1 à 4. C'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te les recommande solennellement. Proclame la parole. Insiste. Que l'occasion soit favorable ou non. Convainc. Réprimande. Encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Pourquoi il dit ça? Le verset 3. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien écouter du véritable enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement selon le sens de leur oreille. Détourneront l'oreille de la vérité pour s'attacher à des récits de pure invention. Voilà la caricature que nous avons aujourd'hui. L'image que l'Église représente aujourd'hui. Donc aujourd'hui dans l'Église, selon 2 Timothée 4, complété parce que nous sommes à la lumière de la parole. Évidemment. Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 28, oracle de l'Éternel. Parce qu'un prophète, c'est quelqu'un qui dit ce qui est écrit. Mm-hmm. Autrement défini comme le porte-parole étendard de l'Éternel. Évidemment. De sa bouche ne sortent pas trop de commentaires à part la confirmation de ce qui est écrit. Mm-hmm. Actes 20, 28 dit ceci, mon cher ami. 28. Veillez donc sur vous-même et sur le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit vous a confié à votre garde. Comme des bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu qu'il vous a confiée. Par son sacrifice, je le sais, dit l'apôtre Paul, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils n'auront pas de pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes
qui employeront un langage mensonger pour se faire eux-mêmes des disciples. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que pendant 3 ans, moi, Paul, je n'ai cessé de vous raconter ces choses. Lorsque vous voulez compléter toujours à la lumière de la parole de Dieu, parce que la mission est à la lumière, vous le verrez complété dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 14. Je lis au nom de Jésus. 15. Gardez-vous de faux prophètes. Lorsqu'ils vont vous aborder, ils se donnent l'apparence des agneaux. Mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. J'en passe. À la lumière de la parole de Dieu, voici la perspective selon ta question bien posée. Dans quelle situation nous nous retrouvons? 2 Pierre, au chapitre 2, le verset 1. Il y a eu parmi vous des faux prophètes. De même, il y aura après vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses qui, régnant le maître qui les a créés, attireront vers eux une ruine soudaine. Beaucoup de gens le suivront dans leur immoralité. Et à cause d'eux, la voie de la vérité sera discréditée. Donc nous sommes dans une période où c'est provenu. Tite l'a dit dans son premier chapitre. Ils étaient avec nous, ils sont sortis de nous, mais ils sont partis. C'est parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Donc, nous sommes en train de traverser une période de l'histoire où que celui qui suit cette émission fasse attention. Homme de Dieu, vous avez touché un point très important là. Vous avez parlé des prophètes. Alors, à la lumière de la parole, parce que vous parlez des choses qui sont vraies et vous êtes en train de citer la Bible qui est le livre absolu du chrétien, du croyant. Amen. Est-ce le fait que quelqu'un puisse prophétiser et que la prophétie ne se réalise pas ferait de ce dernier ou de cette dernière un faux prophète, d'une faux prophétesse? Vous êtes dans le courant du ministère prophétique. Nous avons 2 types de ministères prophétiques. Tout le monde doit les savoir. Le premier, cela relève de l'ancien, de la première alliance. Ça s'appelle le ministère prophétique dans les cadres de l'alliance. Son porte-parole s'appelle Moïse. Le lieu de la remise de cette alliance, Sinaï. Les codes qui réglementent le ministère prophétique en tant que traité de l'alliance, c'est le livre de Deutéronome. L'ignorance du livre de Deutéronome fait que tu ignores tout du ministère prophétique de l'Ancien Testament. Parce que pour ceux qui lisent les livres de Deutéronome, vous allez remarquer que le livre de Deutéronome a été rédigé comme le traité de l'Alliance au Proche-Orient. Ce ministère consiste en quoi? Ce ministère prophétique dans l'Ancien Testament, selon l'Alliance de Moïse, je ne sais pas ce que les prophètes font ici au Congo. Moi, je parle de ce que je sais du ministère de l'Alliance dans le cadre de l'Alliance, okay. Du ministère prophétique. Dans le ministère prophétique, dans le cadre de l'Alliance, Dieu est le Seigneur, qu'on appelle généralement dans le langage des classes sociales le suzerain. Israël est son peuple vassal. Voici la formule du ministère prophétique. Dieu a traité une alliance avec les enfants d'Israël. Que s'ils obéissent, il leur promet certaines clauses de bienfaits. Mais s'ils désobéissent, il y a une liste de malheurs et de malédictions qui vont frapper le peuple juif descendant d'Abraham. Mais pour conclure cette alliance, Dieu a dit à Moïse, prends les animaux, départage-les en 2 parties. Et la Bible dit, vers la soirée, une frayeur de sommeil a failli emporter Abraham et le feu descendu du ciel et consomma les sacrifices.
C'est un geste en Israël pour dire que l'alliance est scellée. Mais bien aimé dans le Seigneur, le prophète maintenant dans le cadre de l'alliance, il s'appelle la personne que Dieu envoie. Il s'appelle un émissaire. Celui que vous appelez prophète là. C'est un émissaire dans l'Ancien Testament. Il n'a que les fonctions ci après. S'il vous plaît, n'inventons pas la roue. Le salut ne vient pas de l'Amérique. Le salut ne vient pas de la RDC. Le salut vient d'Israël. Il faut connaître Israël. Le missaire qu'on appelle prophète, dans le cadre de l'Alliance, avait pour rôle de venir rappeler à Israël là où il a abandonné les clauses. Voilà pourquoi, dans tous les livres prophétiques, en commençant par le grand prophète Ésaïe, vous verrez, au début, c'est écrit « vocation du prophète ». Quand tu vas chez Jérémie, la voix de l'Éternel se fit entendre et il me dit « Fils de l'homme ». Tu vas dans Ézéchiel, il dit « Ouvre la bouche, je te ferai avaler les rouleaux. Parle à ces peuples car ils ont abandonné mes lois ». Maintenant, le prophète ne venait que dire à Israël « Vous avez abandonné ». Et le prophète parlait aussi au roi « Vous avez abandonné l'Éternel ». Maintenant, quand il annonce cela, il propose deux choses. Soit vous vous repentissez. Soit vous vous décidez de vous repentir et bénéficier de la clémence de l'Éternel, ou vous refusez et vous avez la malédiction, la punition qui viendra. Son rôle, c'est de dénoncer les fautes. Le prophète dans l'Ancien Testament ne vient pas t'acclamer. Le prophète ne vient pas te dire la couleur de ton sous-vêtement. Il en a que faire. On dirait plutôt les prophètes d'aujourd'hui, bien les serviteurs de Dieu de la République démocratique du Congo sont à la solde des politiques. Bien du pouvoir. Ça, c'est pour dire, d'ailleurs, je ne dis pas tout, parce que Dieu a toujours gardé un reste fidèle. Okay. Mais la majorité du ministère prophétique que je vois s'exercer au Congo, je dis c'est du fake. Et le peuple périt faute de c'est du fake. Je continue à dire. Maintenant, dans le cadre néo-testamentaire, dans le cadre du Nouveau Testament, le prophète exerce quel rôle? C'est la raison pour laquelle les deux voleurs qui étaient à la croix, Christ a dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Mais il était crucifié avec des voleurs. Pourquoi c'est des voleurs? Mais parce que dans la transfiguration, il y en a que deux qui ont apparu. Moïse et Élie. L'un représente la loi, l'autre représente les prophètes. Mais celui qui représente la loi, on l'a troué les yeux par les corbeaux. On a cassé ses jambes. Ce qui veut dire que la loi de Moïse ne voit rien dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi la Bible dit, tous ceux qui lisent Moïse, ils ont le visage voilé. Mais le voile est ôté lorsqu'ils se convertissent à celui qui est au milieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même qu'il n'est pas venu abolir la loi, il est venu plutôt accomplir la loi. Justement, accomplishment en anglais. Mm-hmm. Ça veut dire quoi? Il a revêti la loi. Ce n'est pas qu'il est venu faire quelque chose à l'extérieur. Non, la loi est entrée en lui. Autrement dit, il est l'incarnation physique de la loi. Tout ce que la loi demandait, c'est lui. Et les gens ne doivent pas me comprendre cela. Voilà pourquoi je continue à dire que le ministère prophétique dans le cadre du Nouveau Testament ne consiste plus en cela. Parce que dans Deutéronome, il disait si. Mais dans le Nouveau Testament, Jérémie chapitre 31, le verset 31, à la lumière de la parole. Voici les jours qui viennent, je vais traiter avec la maison d'Israël une nouvelle alliance. Non pas comme j'ai traité avec leur père, lorsque je l'ai repris par la main pour leur faire sortir d'Égypte. D'ailleurs, alliance qu'ils ont violée. Cette fois-ci, je prendrai mes paroles, je les inscrirai dans leur cœur. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Personne n'aura besoin d'être enseigné par son concitoyen, disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Maintenant, les prophètes du Nouveau Testament, c'est un prophète qui annonce quoi? Les oracles du Seigneur déclarés comme étant le signe du temps de la fin, en accord avec Matthieu chapitre 24, avec les livres d'Apocalypse. Il prépare le retour du Fils de l'homme. Donc le prophète proclame les oracles pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Yeah. Donc il n'a rien à voir avec des choses futiles. Je commence par la première futilité. Vous avez entendu qu'il s'exerce un ministère prophétique à Kinshasa, je dis bien entre guillemets prophétique, qui consiste à citer les noms des gens et dire, je vois dans la salle une femme,
Ton nom commence par J. Je vois I. Je vois encore L. Oui, l'esprit me dit qu'il y a I et puis E à la fin. Y a-t-il une sœur Julie ici? Bien aimée dans le Seigneur. Mais ça, c'est du fake. Oh, ça n'a rien à voir ça avec... Ça n'a rien à voir avec le ministère prophétique. Donc, ce n'est pas biblique. Non. Le ministre prophète, il est un porte-parole de l'ainsi dit l'Éternel. Il n'y a pas Julie dans l'ainsi dit l'Éternel. Oh, les gens me posent la question, finalement, c'est quoi? Eh bien, je vais t'expliquer aujourd'hui. C'est de la clairvoyance. Ah, c'est de la clairvoyance. Ça n'a rien à voir avec la prophétie. Ça s'exécute avec l'activation de l'ange de Shishamael. Oh. Tu as la vérité aujourd'hui. Samael. Ouais. Samael est un ange de Shish. Qui avait la donc prophétie. C'est lui qui est en train d'opérer dans les soi-disant prophètes. On l'active. Et il y a plusieurs méthodes pour l'activer. Il n'y a pas que ça. Ces gens-là sont à mesure de te dire même les montants que tu as en poche. Et c'est exact. Ah, maintenant, si par exemple l'esprit ne peut pas révéler que vous avez tel montant en poche, une certaine si, façon. Si tu regardes le travail que Dieu a donné au Saint-Esprit, c'est dans Jean 14, 16, et c'est complété aussi dans Jean 16, 14. Lorsque viendra le Consolateur, il vous annoncera toutes choses. Mmh. Il ne parlera pas de lui. Il est interdit au Saint-Esprit de parler même de lui-même. Figure-toi, lui qui est Dieu, on lui dit, toi ne parle pas de toi. Toi, tu vas témoigner Jésus. Tu vas glorifier le nom de Jésus. Mais comment se fait que le Saint-Esprit arrête de témoigner Jésus pour parler de tes habits, de tes sous-vêtements? De là, ça devient maintenant de l'ésotérisme. Non, c'est de la clairvoyance, la voyance claire. L'ésotérisme, j'en viens, c'est autre chose. L'ésotérisme, c'est le message subliminal. Parler du diable sans le nommer ou en le couvrant avec la troisième personne du singulier. Oh. Un prédicateur, et un prophète. Et tout ça se passe dans l'église du Dieu vivant. J'ai été lu les écritures qui ont dit vers le temps de la fin, ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse. Chaque matin, quand je regarde la télévision avec les soi-disant prophètes de la RDC, je dis, mais ces gens sont en train d'insulter Dieu et les gens acclament. Ils sont en train de se moquer du royaume. Et voici, la Bible dit, plusieurs le suivront dans leur dérèglement. Donc, la caractéristique principale d'une bonne église, ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas la multiplication des cultes. Et c'est quoi la caractéristique d'une très bonne église? C'est un prédicateur qui reste attaché à la fidélité de ce qui est écrit. Quand il vous parle, il ne parle pas de lui. Quand il vous parle, il vous montre l'agneau, car il est écrit dans la parole de l'Éternel. Montrez-nous l'agneau, cela nous suffit. C'est à part la déviation de la clairvoyance qui vient, d'ailleurs, il faut que je vous l'annonce, qui vient du judaïsme. Le judaïsme, c'est comme le message ancestral des enfants d'Israël. C'est comme chez nous, vous direz, le Bokoko du Congo. Ok. Nous avons trois types de religions qui professent l'unicité, l'existence d'un seul Dieu, mais qui n'ont pas les mêmes fondements. C'est le judaïsme, c'est l'islam et le christianisme. Maintenant, si toi, tu ne maîtrises pas le christianisme, un judaïste peut t'amener dans les pratiques judaïques. C'est pourquoi aujourd'hui... Or, dans les pratiques judaïques, il y a la Kabbalah juive. Donc c'est ce que l'église est en train de pratiquer aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez la Kabbalah dans des églises. Je le dis sans crainte d'être contredit. Répondez-moi un seul instant, par un seul. Je dis un seul de prédicateurs qui trouve que j'ai tort. D'où vous vient les habits des sacerdoces. Donc, la Kabbalah juive n'a rien à voir avec le christianisme. C'est interdit au milieu de ceux qui invoquent le nom de Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Donc, dans la Bible, on peut parcourir toute la Bible, on ne verra rien. La Kabbalah juive, c'est les bokoko des enfants d'Israël. Nous, on n'est pas dans les bokoko des enfants d'Israël. La Kabbalah juive a pour le judaïsme, voulais-je dire. Bah, comment est-ce que Bazu bokoko, il y a Israël, quotidien on a bonzambe. Dérèglement. C'est comme tu as dit ici. Plusieurs le suivront dans l'ère des règlements et la voix de la vérité sera insultée à cause d'eux. Quand je te pose une question, il n'y a pas question de se fâcher. La Bible dit, étant toujours prêt à répondre à quiconque vous interroge sur l'objet de votre foi, dites-moi où est-ce que vous avez puisé les habits des sacerdotes. Vous allez me répondre, Aaron. Mais Aaron n'est pas le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mm-hmm.
Celui qui a le sacerdoce intransmissible, c'est le descendant de David. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, Emmanuel. Maintenant, si Paul dit, apôtre, soyez mes imitateurs. Maintenant, pourquoi vous portez les habits de sacerdoce? Vous avez imité quel habit? Jésus portait le fin lin, symbole de quelqu'un qui est pur. Mais vous, vous portez les habits de sacerdoce. Dites-moi, êtes-vous disciple du Christ ou disciple de Aaron? Si vous êtes disciple de Aaron, vous devez rentrer en Israël. Parce que le sacerdoce de Christ est intransmissible. Faut s'éteindre au milieu du peuple. Est-ce que le fait de mettre un habit, bon, voilà, peut-être un habit, je dirais, de l'Israël, qu'on a pris en Israël, peut enlever la qualité d'un serviteur de Dieu ou bien ajouter un... Oui, premièrement, parce que Aaron portait les habits de sacerdoce, c'était pour démontrer qu'il est sous le mandat de l'exercice. Donc, il pouvait l'enlever, il n'est plus sous le mandat. Tout celui qui porte les habits de sacerdoce n'est serviteur de Dieu que quand il les porte. Aussitôt enlevé, les sacerdotes les quittent. Un seul d'entre eux me dira non, tout le monde dira laisse, il dit la vérité. C'est comme ça que Aaron, en Orobon Babilamba Bonganga, il ne pouvait le porter que lorsqu'il entrait dans les temples. Alors, tous ceux qui portent, et en plus, ne commettez pas l'erreur, Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance. La couleur de l'habit du sacerdoce détermine un message. Et quel est le message que l'habit des sacerdotes qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui? Quel est le message? Ça dépend. Si c'est le rouge, c'est le jour du sacrifice. Si c'est le rouge, c'est le jour du sacrifice. Oui, vous tous qui êtes venus là, vous êtes en pâture. Oh. Mais si je contredis, ils sont là, ils peuvent vous dire. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, Kabbalah signifie quoi? Le secret. Le secret. Ouais. Si tu appelles un kabbaliste ici, tout ce que tu vas lui dire, il ne te dira jamais la vérité. Parce que la Kabbalah exige que le message soit gardé, codé, secret. Seuls les initiés peuvent le savoir, pas les curieux. Donc, c'est-à-dire que tout celui qui viendra ici pour parler, pour me contredire, il ne dira que des faussetés. Disons, homme de Dieu, l'Église ou les hommes de Dieu sont en train d'amener en pâture alors les enfants des dieux. C'est comme ça que dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 34, voici ce que l'Éternel Dieu dit. Oracle de l'Éternel à la lumière de la parole. La Bible déclare dans Ézéchiel 34. Permettez-moi de lire. Nous y sommes. Ézéchiel 34, le verset 11. Voici ce que déclare le Seigneur Éternel. Je vais moi-même venir m'occuper de mon troupeau et en prendre soin. Le prophète Ézéchiel, à son époque, avait déjà prophétisé qu'il y aura un moment donné, Dieu ne laissera plus les brebis entre les mains des pasteurs. Il va les récupérer lui-même. Lui-même et il va en prendre soin. Nous sommes en train de traverser une période en Afrique, au monde, en République démocratique du Congo, où les troupeaux croient toujours qu'ils appartiennent aux pasteurs. Alors que déjà, Adonai, Seigneur de mon âme, m'a déjà récupéré. Je ne vous appartiens pas. Moi, je n'appartiens pas à l'église de Reveil. Moi, je n'appartiens pas à l'église protestante ni pentecôtiste. Moi, je suis indépendant. Je n'ai que deux autorités. Le Saint-Esprit, le paraclet, le communicateur indispensable de la grâce et les Écritures. Donc, vous n'avez pas de père spirituel, nous sommes. Non, ça n'existe pas. Oh, cette affaire n'existe pas. Les mots spirituels, tout ça. Les mots spirituels viennent circonscrire le champ du Père. Donc les dadis, tout ça là, ce sont des inventions humaines, ça n'a rien à voir. Non, même vous qui avez étudié, vous vous faites berner par de telles appellations, alors que vous savez que on dit père, c'est le père spirituel, et le spirituel désigne l'esprit. Qui peut mettre au monde un esprit? C'est une aberration. Très grave, d'ailleurs, qui mérite punition de droit. Passible de peine de loi. Comment un intellectuel licencié en philosophie et lettres, tu te permets de te sortir dehors et dire c'est mon père spirituel? Ah non, il y a le père biologique, c'est celui qui t'a mis au monde, qui t'a donné la naissance, c'est ta maman biologique, père de l'eau et du sang. À part le père de l'eau et du sang, Matthieu 23 à la lumière de la parole dit n'appelez personne père
si ce n'est votre Père qui est dans le ciel. Celui qui nous a engendrés spirituellement en accord avec Romains chapitre 10, le verset 9, Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu, c'est celui-là qui a pour Père qui? Dieu. Or, Dieu est esprit. Quand il nous engendre, il nous engendre esprit spirituellement. Mais comment pouvez-vous vous laisser ainsi balayer par des gens bien-aimés dans le Seigneur? Écoutez, Paul leur donne beaucoup d'appellations et il dit, ce sont des fontaines sans eau, des vases crevassés, en dessous. Ils vous exploitent. Cette affaire de père spirituel, c'est pour assujettir les chrétiens et les détourner de l'autorité du Seigneur. Voici ce que moi, Baka, je reconnais. Les anciens de la foi. Les anciens. De la foi. Les anciens, pas les daddies. Tu es un anglophone. You know the meaning of daddy. Yeah. Daddy means father. Yeah, father. Bon, quand toi tu appelles quelqu'un papa, Éphésiens 4, 11 à 12 dit, il a fait aux uns comme apôtres, comme prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Mais pourquoi tu l'appelles daddy? Une déviation que l'Église a prise et c'est resté comme ça. Non, non seulement c'est resté comme ça, ça devient un instrument de manipulation de l'autorité parentale des familles des gens. J'en connais qui donnent des ordres aux femmes d'autrui au nom de daddy. J'en connais des femmes qui n'obéissent plus à leur mari à cause de daddy. J'en connais qui servent les daddy en s'agenouillant, mais son mari lui manque de respect. J'en connais à cause des daddy, les gens sont sortis avec des pasteurs commettant ainsi des choses qui sont abominables à l'église. Les femmes des gens ont été prises sexuellement à cause de leur daddy. Appelle quelqu'un évangéliste. Selon chaque ministère, il y a une déontologie. Mais papa n'a pas de déontologie parce qu'aujourd'hui, il est prouvé en erreur qu'un papa peut sortir avec sa fille. Évangéliste Roger Baka. J'aime tes questions, mon frère. Je voulais savoir, est-ce mal, parce que nous sommes là dans l'église, il y a un fléau aujourd'hui dans l'église du Christ au Congo. Alors, je voudrais que vous puissiez vraiment nous éclairer aussi avec les Écritures, comme vous êtes vraiment quelqu'un de la parole. Hosanna. Est-ce mal d'avoir un encadreur ou bien un pasteur divorcé dans l'église? C'est une question pertinente. Dans la mesure où cela me conduit dans 1 Corinthiens chapitre 7, à la lumière des... De la parole. Hosanna. Lorsque vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 7, vous découvrez finalement la problématique qui est posée par le bien-aimé. Qui est divorcé, si ce n'est celui qui est marié. Qui était marié. Qui était marié. Mais qui s'est séparé avec sa femme. Maintenant, il y a deux conditions dans cette appréhension de choses que tout le monde doit savoir. Il y a le mariage mixte qui consiste en ce que le pasteur dans sa convoitise de la chair, n'a pas priorisé le critère spirituel, chercher une femme qui prophétise, chercher une femme qui maîtrise les données spirituelles pour l'accompagner dans le ministère. Frappé par la rondeur de madame. Il a dit, moi, c'est n'angaye. Maintenant, dans ce cas-là, ça s'appelle mariage mixte, c'est pourquoi? Parce qu'un chrétien, de surcroît, serviteur de Dieu, épouse une femme qui n'est pas chrétienne. Est-ce que la Bible l'interdit? La réponse est donc non. Le pasteur peut se permettre d'épouser même une prostituée sur le boulevard ici. Ça ne vous concerne pas, Dieu n'a pas interdit. Mais les conséquences sont réelles. Paul dit, je voudrais vous épargner de cela, parce que vous aurez des tribulations dans la chair. Mesdames et messieurs, est-ce que vous pouvez suivre un pasteur divorcé? Première dimension des choses. Est-ce que notre pasteur avait épousé une femme chrétienne? Si c'est une païenne, voilà ce que la Bible dit. 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 10. Quant au couple chrétien, c'est-à-dire le couple qui ne sont pas mixtes, c'est un couple qui a trouvé une femme au sein du service du ministère. Ça, c'est un couple chrétien. Chrétien. Qualifié de chrétien, pourquoi? Parce qu'ils suivent tous le même enseignement. Évidemment. Suivent tous le même Seigneur. Alors, si maintenant,
Le pasteur se sépare avec la sœur ou la femme chrétienne. Il faut faire très attention avec ces histoires. Ne répondez pas oui, ne répondez pas non rapidement. Il faut qu'il y ait un argumentaire. Vous risquez de dérailler les gens. Pour les chrétiens, couple chrétien, voici ce que j'ordonne. Ou plutôt, ce que le Seigneur lui-même leur commande. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Au cas où elle en serait séparée, qu'elle reste sans se marier et ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Le mari de son côté ne doit pas quitter sa femme. C'est là où certains prédicateurs ont dit, moi et ma femme, elle était païenne. Ils commencent à bombarder la femme, la qualité de païen, parce que la condition ici, elle était difficile. Mm-hmm. Si c'est une chrétienne, elle ne peut pas se remarier. Mais selon la parole de Dieu, la Bible a dit que la seule condition pour un homme de repudier sa femme, c'est peut-être de l'avoir pris en flagrant délit. C'est dans le cas de couples chrétiens, il faut bien expliquer. Dans le cas de couples chrétiens, en accord avec Romains 19, en accord avec 1 Corinthiens 10, 11 à 12, tous les deux ont confessé Jésus comme Seigneur et sort. Mais s'il arrive que le pasteur se marie comme Ferrego l'avait dit, il se marie à Moulélé, à In Moulélé. Ce genre de femmes qui font pleurer les gens pour dire que Balingan a 24. Mais le pasteur a aimé le corps de la sœur. Il n'a aucune utilité spirituelle qu'il a suivie. Oh, et 1 Corinthiens chapitre 7. Lui étant avisé, tant qu'un homme de Dieu, étant avisé, il est allé là-bas, il doit normalement rester avec cette femme. Dieu ne fait pas le choix pour quelqu'un sur la femme qu'il doit choisir. Oui, Dieu ne fait pas le choix. Cependant, les conséquences sont réelles. Toi, tu as l'enseignement. Choisis la voie. Il dit, voici, je me tiens devant toi. Mm-hmm. Choisis la vie ou la mort. Moi, j'ai dit, j'étais enseigné. Voilà maintenant, dans le livre de 1 Corinthiens 7, le verset 12. Pour ce qui est des autres couples, c'est-à-dire le couple mixte, à l'absence de l'indication expresse de la part du Seigneur, voici ce que je dis. Si un frère chrétien, qui peut être aussi pasteur, se marie avec une femme non croyante, et qu'elle consente à rester avec lui, qui ne la quitte pas. Vous entendez bien? Mm-hmm. Même si elle était danseuse, même si elle était prostituée ou porcenette, Dieu dit, si la femme dit, je vais suivre le pasteur, je vais rester avec le pasteur, mm-hmm. que le pasteur ne les quitte pas. Mm-hmm. Cependant, suivez la suite. De même, si une femme se marie à un non-croyant, et qu'il consente de rester avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Car, du fait de son union avec sa femme, le mari non croyant est bien un mari légitimé, et de même, du fait de cette union avec son mari chrétien, la femme non croyante est bien une épouse légitime. Autrement, leurs enfants seraient des enfants naturels, alors qu'en réalité, ils sont légitimes. Voici la mention. Mais si le conjoint non croyant est déterminé à demander le divorce, c'est là où nous arrivons à la question que tu as posée. Mm-hmm. Parce que vous pouvez rester ensemble, mais l'un demande le divorce parce qu'il est non croyant. Et moi, je vais divorcer avec toi. Écoute ce que la Bible dit. Eh bien, qu'il divorce. Je le dis ouvertement à toutes les femmes qui ont épousé des maris païens. Si vous décidez de rester ensemble, Dieu vous autorise. Si vous êtes prophétesse, si vous êtes encadreur des gens, ne l'impitez pas la condamnation, il est divorcé. Non, dans le cas où il est marié à un non-croyant. C'est comme si vous étiez en train d'autoriser, ce n'est pas moi. Je reprends. Les hommes de Dieu qui se sont mariés pour éviter, 2, 3, 4 fois pour éviter, dans une église. Justement pour éviter, je reprends la lecture. Nous courons après le temps. Mais si le croyant ou le conjoint non-croyant est déterminé à demander le divorce, eh bien, qu'il le fasse. Dans ce cas, le frère ou la sœur n'est pas lié. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Pour des raisons de paix. Mais la conséquence qui vient après, ça veut dire que oui, vous pouvez divorcer, mais vous restez comme ça, célibataire. Entre chrétiens, Dieu ne fait pas le divorce. Sinon, si vous le faites, la femme ne doit pas se remarier, sauf cas d'adultère. Évidemment. Voilà, merci. Il a fait ça pourquoi? Pour bloquer les gens.
Voilà, maintenant ici, nous sommes dans un cas... Nous sommes dans le cas où dans l'église. Est-ce qu'on peut être dirigé par un pasteur divorcé? Première réponse. S'il avait épousé une femme chrétienne, maman pasteur, et qu'il s'est lancé dans l'impureté, l'immoralité, il commence à sortir avec les femmes à l'église, la femme lui dit, papa, tu te comportes mal avec ce comportement, il s'est décidé de divorcer, un tel pasteur est dans un état d'adultère. Et vous qui suivez son message, vous êtes sous l'emprise de l'adultère. Voilà. Mais, s'il s'était marié avec une femme qui prend la bière, il s'est marié avec une femme qui n'est pas chrétienne, je dirais même musulman, je vais aller même plus loin, kimbanguiste, le jour où cette femme décide de s'en aller, n'imputez pas la colère sur le pasteur, ils ne sont pas liés. Il peut continuer à paître les brebis de l'Éternel. Okay. Pour accueillir l'Éternel. Dans le cas où, par exemple, la femme, oui, elle est chrétienne, mais seulement peut-être la femme ne s'occupe pas très bien de l'homme, et puis la femme n'est pas polie à la maison. Elle est impolie face à son mari. Dans ce cas-là, est-ce que l'homme a le droit de la répudier? La lettre de la répudiation signifie l'homme a le droit d'écrire une lettre, de le renvoyer aux parents de la femme, ainsi stipuler l'objet pour lequel, voulais-je dire, la femme a été répudiée. Je retourne votre enfant car chaque matin quand je bois du thé, je sens qu'il y a les piments à l'intérieur. Veuillez rééduquer votre enfant sur le point ci-après. Pan, pan, pan. Là, il a envoyé une lettre pour demander qu'on corrige la femme. Mais s'il se décide de quitter la femme, il doit envoyer une lettre de répudiation. Or, la Bible dit, si Moïse vous a permis de faire cette chose, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Vous avez répudié des femmes qui à peine venaient de faire un petit manquement. Vous avez répudié des femmes qui à peine venaient de commettre une petite faute. Alors, pour bloquer l'homme, on avait dit envoyer la lettre de la répudiation. Pourquoi? Parce qu'avec la lettre de la répudiation, le papa de la femme a la justification que tu as laissé la femme et que quelqu'un d'autre peut le prendre. Ça t'évite de commettre des fautes. Voilà pourquoi, si le pasteur est marié à une sœur chrétienne, et qu'à cause de certaines choses qu'on aurait reprochées au pasteur, qu'il relève de la conduite des évêques, il n'a pas respecté, un tel pasteur ne peut plus te paître. Pourquoi? Parce qu'il est sous l'impureté. Mais si c'est une païenne qu'il avait épousée, et que la païenne décide de s'en aller, ils ne sont pas liés au oracle de l'Éternel. Homme de Dieu, nous allons chuter par là. Il y a un homme de Dieu qui a dit que l'église catholique est une salle d'attente pour l'enfer. Êtes-vous d'accord avec lui ou bien vous partagez le... La Bible dit ne jugez de rien avant la fin des temps. Jusqu'à ce que Christ lui-même viendra tout paraître à la lumière. Mais Éphésiens 5, 11 à 12 dit, n'ajoute, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Dénoncez les œuvres. N'attaquez pas les individus. Si l'église catholique est une salle, quoi? D'attente. Bien? Pour l'enfer. Mais je te dis que si c'est ça, mais la chambre de l'enfer, c'est l'église des réveils. Ah, la chambre de... Si l'église catholique est une salle d'attente, ça veut dire que l'église de réveil, c'est une chambre... C'est une chambre... De l'enfer, mon cher. Parce que là-dedans, vous y trouvez des choses qui ne se nomment pas même dans l'église catholique. Comme? Je vous dis la vérité. Comme par exemple, vous apprenez un pasteur qui a fait de ses brebis son champ de bataille. Sur les 80 membres, il a couché avec 70. Oh. Ces gens que vous voyez ici, parmi eux, il y a des criminels. Des criminels? Moi, j'ai failli être éliminé quand je commençais à dénoncer ces choses. Par les noms de pasteurs que je connais, par ma façon de me renseigner. Je connais des hommes de Dieu. Personnellement. Je les connais, ils ont mis en jeu l'argent et on m'a dit. J'ai vu des criminels venir me chercher pour m'assassiner à la maison. Après, quand je suis entré moi dans mes recherches, on m'a cité les noms de quelqu'un. Faites attention, mes frères. L'apparence que vous voyez avec des hommes de Dieu à Kinshasa, entrez dans la profondeur, vous verrez, ils ont escroqué les parcelles d'autrui. Sur 100% des pasteurs que vous voyez, demandez comment ils ont eu leurs églises. Vous verrez qu'au tribunal, il y a un procès. Mais on est en train de soudoyer la justice pour que cette maman, ses papas ne reprennent pas autorité de sa parcelle. Si par exemple aujourd'hui, continuer dans cet état-là, c'est à cause d'un collègue pasteur. Comme? Oui, l'archevêque Coutinho, s'il est dans l'état où il est aujourd'hui, c'est aussi à cause d'un collègue pasteur. Vous pouvez vous imaginer, en toute humilité, avec abnégation, je témoigne. J'ai reçu quelqu'un qui est venu par confession de foi demander à Dieu de le pardonner
par mon canal, mais racontant comment il a fait des histoires dans les dossiers de Pasteur Koutiba. Oh là là, un homme de Dieu. Non, une personne utilisée. Et j'ai prié pour lui afin que Dieu le pardonne. Oui, la personne a été utilisée par un homme de Dieu. C'est-à-dire que ce sont des hommes de Dieu qui étaient complots de cette histoire. Il m'a dit, quand je regarde le passé à Coutinho Fernando, c'est mon père. Qu'on ne vous trompe pas. Quand je dis Coutinho, c'est mon père, je ne dis pas père spirituel. J'ai dit mon père, il est ami intime de mon papa. Et aujourd'hui, vous n'entendez que de problèmes entre les hommes de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, à cause d'eux, le nom de l'Éternel est insulté parmi le peuple. Pourquoi ils s'attaquent que les hommes de Dieu sont... C'est aujourd'hui que vous apprenez qu'un homme de Dieu aurait travaillé en coulisses pour qu'on arrête l'autre. Il aurait participé dans l'empoisonnement de l'autre. Et cet aspect de choses va jusqu'à toucher certains musiciens chrétiens qui se comporteraient comme des stars du monde païen. Et ce n'est pas peut-être la bataille de positionnement? Non. C'est le manque de grandeur. C'est le manque de leadership au milieu des églises de réveil. Il n'y a pas un leader. Il n'y a pas un leader. Il n'y en a pas. Tous ces grands qui se disent grands sont rien à part ce qu'ils croyaient être. Parce que s'il y avait un grand, il allait réglementer tous ses comportements. Mais il y avait le prophète Dodo Kamba qui était... Le prophète Dodo Kamba est l'interface des églises de réveil en tant que plateforme. Il y en a 8. Il ne peut pas réglementer les 7 autres. Il réglemente l'église de réveil. Et il ne réglemente pas pour punir. Parce qu'il n'y a pas une réglementation de punition. Donc quand par exemple un serviteur de Dieu se méconduit... Personne ne peut blâmer un homme de Dieu ni le faire quoi que ce soit dans ces pays. Personne. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que la plateforme église de réveil n'a pas reçu ses cahiers de charges. L'église de réveil est une interface de l'État. Quand l'État veut parler avec les communautés des églises de réveil, il vient voir les représentants légaux. Point barre. Personne n'est instrument de l'autre. Personne ne dépend de l'autre. C'est pourquoi vous apprenez, oh, tel pasteur s'est comporté, il s'est fait moutakaliser. Qui va le gronder? Voilà pourquoi, pour la contribution de l'Église, je te signale que j'ai élaboré un document qui s'appelle l'ordre du ministre de Dieu, comme l'ordre des médecins, comme l'ordre des architectes. Quel que tu sois, je vais le soumettre au Parlement. Et je demanderai à un député chrétien de l'adopter, afin que tous, nous ne soyons plus au-dessus de la loi. Il y a des pasteurs qui ont des dettes, d'autres qui ne veulent pas payer. Tu vas le suivre comment il circule avec des soldats. C'est peut-être parce qu'il a une relation avec les autorités. Quelle est la relation qu'un pasteur peut avoir avec les autorités? Si ce n'est qu'il a volé, il se cache derrière les autorités pour qu'on les touche. Est-ce mauvais pour un homme de Dieu de faire la politique? L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les allâche du danger de la politique. Je vais vous annoncer quelque chose, frères et sœurs. Vous voyez cette histoire de la politique? C'est le cimetière des hommes de Dieu. Le cimetière des hommes de Dieu. Ouais. Regarde comment ça tente. Combien sont des... Il y a plusieurs qui sont déjà entrés et ils sont morts. Il y a un pasteur qui s'appelle... je ne sais pas, son nom m'a échappé. Il a créé la rébellion. Ici à Kinshasa. Il est de l'Est, si je ne me trompe pas. Après, il y en a encore un autre qui a habillé les jeunes gens en blanc. Ils ont tenté d'aller confisquer la RTNC. Ce n'est pas fini. Il y a un autre pasteur qui a été balayé ici, amené vachement en prison. Pour des raisons politiques. Mais vous ne comprenez pas que la politique est en train de solliciter beaucoup de pasteurs. En fait, c'est pour détruire la force de l'Église. Mais il y a encore un autre pasteur qui vient de postuler à la présidence. Il a déclaré ouvertement que c'est lui qui sera le gagnant. Vous voyez le niveau d'humiliation que nous subissons à l'Église. Il a parlé au nom de Dieu. Il a dit que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit. Maintenant qu'il n'est pas, il n'a pas été proclamé pasteur et président. Il doit, en tout respect envers lui, parce que c'est un aîné, j'ai beaucoup de considérations. J'avais. Ah, vous en aviez. Ouais, ça s'est quand même moment, détérioré à partir plus. De cet acte-là. Il a menti au compte de Dieu. Beaucoup de gens, je te confirme, ont quitté cette église-là. Des partenaires solides. C'est pourquoi je demande au pasteur, arrêtez cette affaire d'aller faire la politique. C'est le cimetière des hommes de Dieu. La politique est le cimetière des enfants des dieux. Et je viendrai vous démontrer même qu'un pasteur ne peut pas faire route ensemble avec un politicien. Je vais vous donner un exemple pour terminer. Vous connaissez Fidel Castro? C'est le Cuba. Mm-hmm. Un jour, Fidel Castro a demandé à tous les hommes de Dieu de l'accompagner pour renverser le pouvoir qui était en place. Les églises l'ont soutenu à 100% et il a réussi sa mission. Il a renversé celui qui était au pouvoir. Et tu sais, mon frère, lorsqu'il était établi président de Cuba, qu'est-ce qu'il a fait?
il a fermé les églises. Et pourtant, les églises venaient de les soutenir. Parce qu'en politique, le chemin par lequel tu es passé pour avoir le pouvoir, il faut l'effacer. Sinon, quelqu'un d'autre passera par là pour t'évincer. N'évitez que les politiciens viennent dans les églises. Ils viennent seulement pour prendre les gens qui doivent les voter. Au-delà de ça, tu vas l'appeler, tu ne le recevras plus au téléphone. Très bien. Homme des yeux, dernière question. Nous avons pratiquement fini. Mais homme des yeux, vous êtes un homme des yeux. Vous incarnez le charisme, la parole des dieux. Ah, merci beaucoup, je suis flatté. Mais qu'y a-t-il entre vous et le pasteur Moïse Mbillé, ainsi que le prophète Joël Francis Tatou et certains hommes des dieux Denis Lessi? Qu'y a-t-il entre eux et vous et eux? Ce n'est pas moi. C'est le livre de Genèse qui dit, chapitre 3, je mettrai inimitié entre toi et la postérité du serpent. Ah, ils sont la postérité du serpent. Non, entre eux et moi, quelqu'un appartient à la postérité du serpent. Je garde moi aussi dedans. Ah. Je vais te révéler une vérité. Ça s'applique tant à la politique que dans l'église. Premier principe. Si les services de renseignement ne peuvent pas arrêter les criminels, c'est que les criminels se trouvent dans les services de renseignement. Ce sont des principes. Ça veut dire. Si les politiciens ne s'entendent pas entre eux, c'est que. Ou je dis, si les opposants qui prétendent s'opposer à un président, entre eux ne s'entendent pas, l'un d'entre eux pactise avec le président en cachette. Maintenant, à l'église, si l'église n'est pas capable d'éradiquer le mal, c'est que le mal se trouve entre les hommes de Dieu. Entre moi, je le dis ouvertement. Et le nom que tu as cité, d'entre nous, il y a un qui est serviteur du diable. Alors, je ne voudrais pas dire c'est moi ou c'est eux. Mais seulement, l'Éternel se chargera avec le temps de commencer à dévoiler petit à petit le comportement des uns et des autres. Vous savez pourquoi je m'oppose à certaines pratiques de ses frères? Eux aussi s'opposent à certaines pratiques de vous. Quoi, comme quoi? Oui, comme par exemple, on a dit, je cite le révérend pasteur Moïse Mbillé qui dit, ouais. Comment est-ce que vous avez les yeux ouverts dans une cérémonie, je ne sais pas moi, vous êtes en train d'enseigner, vous vous mettez à chanter, vous parlez en langue et vous souriez? Ça n'a rien à voir. Ça relève de l'ignorance. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a les composantes de l'expression parler en langue. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 14, régi par l'apôtre Paul. Le parler en langue, c'est comme les données mobiles. Tu peux activer les données mobiles, tout comme tu peux éteindre les données mobiles. Parler en langue ne signifie pas perdre connaissance. Si eux, ils ont perdu connaissance, alors ils ont l'épilepsie. Je continue à dire, et je répète, je n'ajouterai pas foi à tout esprit. Comment vous pouvez balayer toute une génération? On vous pose la question. Messieurs, dis-nous, tu as dit Guigué ou tu as dit Jésus? Réponds-nous tout simplement que j'avais dit Jésus, tu rentres au studio. Il avait répondu, il avait dit qu'il avait dit Jésus. Non, il a répondu dans une autre chanson pour me dire Yondo Yoka Kabiente. Une chanson du Seigneur et comme c'est Kambakela. Vous imaginez? Tu passes tout le temps à écrire un album, mais tu ne penses qu'à un seul homme, Roger Bach. Je suis devenu ton Dieu. Si je le suis devenu. Mais peut-être il a aussi raison, Yoka Yendebiente. Mais pourquoi on a fait Yoka Batubase Bele? Ndeko Nangaye. Azoeb Sabino. Batumusuko Sakananzam Belelo. Boleki Alem Olotote. C'est pour dire, quand quelqu'un peut te dire qu'il peut quitter Lubumbashi, allez-moi dans Lubumbashi à Bimina Kinshasa. Donc, tu es l'homme à Boko, Bajen Balandayo. Aujourd'hui, nous reconnaissons tous, nous avons des faiblesses. Moi, je ne suis pas parfait. Je ne sais pas où est-ce que j'avais dit ça. Mais ça commence à en être des trous. Vous chamaillez à la télévision. Celui-ci dit à l'autre, toi, tu peux me dire que tu es chrétien. Et l'autre qui répond, à la télévision aussi et au vide de Bandimi. Celui-ci place le concert à Zénith, l'autre place à Arena. Mais finalement, vous nous amenez où? Il est préférable d'écouter Ferré, d'écouter Fali, d'écouter Kofi Olomide, que ces gens qui parlent de Dieu d'une manière injurieuse. Ah, vous dites, il est préférable. C'est-à-dire, c'est une figure de style pour dire, vous n'êtes pas ce que vous nous faites comprendre. Et tant que vous ne changerez pas, si c'est un papa de 60 ans qui s'oppose à vous, il faut un jeune homme qui puisse résister à la folie des balades. Merci beaucoup, homme de Dieu.
Merci, en tout cas, nous sommes pris par le temps. Je m'étais dit d'arrêter cette affaire, de dénoncer les œuvres infructueuses du monde des ténèbres. Mais j'ai comme l'impression que depuis que je me suis tué, les bêtises ont repris et ont atteint l'optimum. Alors, nous allons reprendre avec vous comme vous vouliez. Seuls vos fanatiques vont m'insulter. Mais ceux qui aiment l'éternel, ils commentent, ils disent Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Non, c'est moi qui te remercie. Tu vois, on a raté beaucoup d'émissions pour en faire une. Et voilà. Je parie que ça, c'est une ouverture des plusieurs émissions que nous allons devoir organiser. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à Jordi, merci à Christian, merci à Target. Merci à Target, le nouveau technicien de Congo Buzz Télévision. Merci à JC Katanga, merci à JC Katanga, merci à vous, vous nous avez suivis de partout, merci, merci de votre soutien. Je vous dis, une façon pour vous de nous soutenir, c'est de donner des j'aime et de vous abonner à notre chaîne Congo Buzz Télévision, ça nous fait énormément du bien. Alors pour le reste, portez-vous bien, on se retrouve très prochainement, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen.